Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. À vous rappeler que jeudi, c'est lundi, lundi 1er février. Et premier jour grève que le syndicat transport est lancé dans le pays. Eh bien, et nous-mêmes, comme agents de presse, nous avons décidé de prendre la roue à ce que nous sommes capables de faire ou même qui rentre la caillou ou même qui trouve à l'extérieur du pays, capables de vivre comment ça est en dans la ville capaïtienne. Et pendant que nous regardons l'image ça là, eh bien, les gens qui connaissent au Cap sont capables de voir que nous trouvons dans la rue et 6-5, elle là, rue espagnole là, à ce que nous capables de voir comment la circulation est. Eh bien, nous avançons pour nous aller rue 2. Là, nous trouvons nous rue 2. Elle encore, c'est toujours l'être espagnole là. Nous connaissons route ça, grande rue ça, c'est toujours en pile tension surtout lorsque nous gagnons genre de situation ça y dans un moment panique ça y est, trouble ça y c'est zone qui toujours gagne en pile chaleur. Là nous Rizéo n'a pas avancé pour Cité Lesco. Donc si nous regardons nous ouais et comment la rue aille et circulation est vraiment réduite. Là zone ça a toujours gagne marché là, donc nous constatons que mon yo presque pas sorti, l'école paralysée dans la ville là. Et n'a pas le gain pour nous très bientôt. Mais dans la zone ça, la zone Cité Lesco, c'est là nous y est. Et jusqu'à présent, nous voyons que là où il y a style libre, et mon yo presque la caillou. Donc là, on a avancé encore pour nous aller à la zone rond-point Samari qui est un centre d'activité ça. Donc c'est là que toute activité toujours commencé et c'est là que yo toujours fini tout. Et c'est zone qui toujours gagne plus violence lorsque gens des activités ça yo. Donc tant que nous est zone presque paralysée, nous c'est quelques motos qui a passé et machine presque pas circuler, mon yo presque de la caillou. Et tant que monde qui connaît au cap qui connaît zone nan, donc toujours gagne plein machine qui connaît zone nan là tout. Donc toute machine yo censé être la caillou. Si nous regardons là, il y a un caoutchouc taboulé, il y a un barricade qui est dans l'entrée la force là. Donc, c'est comme ça la situation est dans la ville capaïtienne, mesdames, messieurs. Et nous pouvons avancer pour nous gagner plus d'images toujours. Et côté que nous pouvons présenter nous comment ça est dans la gare routière et capaïtienne. Donc là, nous avons la gare routière, côté que nous avons regardé, nous véhicule et style dans place yo a chargé pour yo capable aller dans endroit côté après aller tant qu'on a regardé il y a un petit bus qui pour aller Wanamet station Wanamet là style en fonction et d'autres camionneurs encore là en fonction et à ce que yo capable évacuer à activité dans zone ça à vous rappeler là nous dans zone Mapon et c'est même zone qui gagne station de police là donc là, nous toujours dans le pont. Nous sommes toujours dans le pont. Les gens qui ont gardé et qui connaissent la zone, ils ont fini par voir côté que nous sommes là. Donc, nous-mêmes, nous prenons la rue, c'est juste pour permettre que nous-mêmes qui sommes là, nous sommes capables de vivre ce qui a passé. Ou ce n'est pas seulement dit, ou dit non. Eh bien, nous braver tous les dangers à ce que nous sommes capables de prendre la rue pour nous faire nous vivre la situation. Et pays à non moment à parler là et là c'est sous route et capaïtien Madeline que nous y est une zone qui toujours et gagne en pile tension sous lui et bien là il n'a passé à ce que nous capables faire nous voir comment et ça y est et à vous rappeler que monde qui était contre projet boulevard caillou écrasé depuis sous Matéli pour faire boulevard et bien c'est même boulevard ça qui s'il était là comme ça qui faut que j'aime qu'a fait et monsieur était là tant qu'on nous depuis sous Matéli jusqu'à on nous dit et fin mandat président journal là donc boulevard ça pour que j'aime qu'a fait mais si n'a regardé pas gain intention sur route là sauf que nous voyons que machine yo camionnette yo pas presque sorti et en pile monde était là caillou nous pas presque voir monde sur route là mais pas gagné bouteille caoutchouc qui a brûlé dans la zone ça. Là, nous sommes dans la zone Fort Saint-Michel. Et nous avons avancé pour Carrefour Airport et que nous prenons là. Et zone de haute tension. Encore, tant que nous toujours qu'on dit nous. Mais pour journée lundi, pas vraiment gagné tension dans la zone ça. Zone très calme, très paisible. Et sauf que, nous n'avons pas voté à l'école. Nous n'avons pas sorti pour régler les affaires comme à l'ordinaire.
Donc, et c'est ça, on nous regarde comment ça y est, on continue à regarder. Et là, nous dans Kafou Airport, et dans Kafou Airport, c'est une zone qui toujours en pile tension. Et là-dedans, mais journée aujourd'hui, nous trouvons que zone très paisible, les très calme. Tant qu'on dit non, sauf que Mounio pas trop sorti. Mounio s'il était et dans caillou pour et capable observer et grève ça, c'est quelques chauffeurs camionnettes et moto et bien Noé qui censé dans la rue. Donc c'était Télé Océan qui t'a porté image ça pour nous. Nous souhaitons nous à vivre et puis bye commentaire pas nous.